Météolab, c'est un des centres de recherche sur les éclairs d'Oscar. Si on arrive à mettre la main sur certaines de ces données météorologiques, ça nous aidera à détruire le projet IAPA. Logique. Je vous contacte quand j'y suis. Putain, c'est quoi tous ces ballons? Je suis à Météolab, Sargento. Qu'est-ce qu'on sait sur cet endroit? Le laboratoire utilise un dirigeable rigide pour collecter des données météorologiques importantes pour le projet IAPA. On doit juste lâcher le dirigeable au-dessus de la base et le laisser faire son truc. Rendez-vous au hangar où il stocke le dirigeable. Le hangar est verrouillé. Rien n'est jamais facile, pas vrai, l'ami? Des idées, Izzy? Il y a des consoles dans le bâtiment qui servent de verrou de sécurité pour le dirigeable. Montrez-moi le chemin. Ennemis dans notre zone d'opération. Compris, il y a un intrus sur le site. À toutes les unités, ordre d'attaquer. Je travaille un peu ma jauge de chaos parce que on a quand même des améliorations sympas. Ah, les lasers sont terribles. Merde, je crois qu'il y avait un ennemi. Le hangar est déverrouillé. La console pour libérer le dirigeable est par ici. Alors, ça marche pas sur lui. Putain, j'ai vraiment pas beaucoup de balles. Hein. Libération du dirigeable. Et voilà. Vous allez devoir vous approcher pour qu'Izzy puisse accéder aux données. Je peux le faire. Thank you.
casse-pied avec son bouclier là. Des dégâts détruites. Sacrément haut, hein. L'attaque a cessé. À toutes les unités, restez en alerte. Je vais pas m'en rendre compte si je... Ouais, je grimpe encore. Je redescends. Contact rompu avec l'ennemi. Regroupement. Je suis à portée, à vous de jouer. Ne vous éloignez pas de cette chose. C'est quoi ce bordel? Rico! Chut, je ouais. Travaille. Qu'est-ce qu'il y a, Sargento? La manoir a fait décoller un chasseur en urgence. Il vise le dirigeable. Izzy, vous avez besoin de combien de temps? Encore un peu. Il y a ne du monde, bougez là. Pas. QG, il est dans un hélicoptère. Oh, j'ai pas terminé. Ne vous éloignez pas de la console. J'y travaille. Bon, ça marche quand même, mais... Ah putain. Et voilà, je l'ai. Bien. Tout va bien, Rico? Oui. Tout va bien, Izzy. Transmettez les données à Mira et voyez ce qu'elle peut en faire. Ouais, ils vont pas tarder à dire qu'ils ont perdu ma trace.
qui m'est marqué. Recruter des unités. Alors concernant Météo Lab, on a 6 cascades à faire, dont 3 wingsuits. Première épreuve, 12 secondes. J'ai réussi. Météo Lab. Tu te rappelles la bobine à ion qu'on a trouvée? D'après Mira, ce sera parfait pour que notre bateau résiste à la foudre. Tu peux passer nous filer un coup de main à Météo Lab? J'y suis. Seconde épreuve. Alors attention sur celle-ci. Il y a un cantilo qui est juste à côté. Faut plutôt passer en bas à gauche. Si on est surélevé. Vous avez vache fait celui-là. Il y a la caméra. Oh, j'adore. Je crois pas qu'on puisse les couper, hein, les ventilos. Et le 2. Plus ça va améliorer notre combinaison. On va être à 7 de mémoire. Épreuve, 5 secondes. Ah, facile. C'est pas les mêmes épreuves que le 3. Hein. Voilà, on a fait la moitié et tous les wingsuits. De vitesse traversée à plus de 55 km/h. On n'a pas un véhicule de l'armée, je pense qu'on pourrait les atteindre à l'aise. C'est trop violent. Je suis trop bon. Ouais, bah. Ensuite, cascade en voiture, traverser le cercle avec une supercar Vistosa 2019. Juste à l'endroit. Voir que c'est une jolie voiture qu'on a besoin et je vais donc bouger. Non. Je suis pas ma voiture. On a perdu la cible. Laissez tomber pour l'instant. Fin putain, j'ai besoin de propulseur, c'est pas possible. Ah d'accord, prends le volant. Allez pas me casser ma voiture, bande de nains. Appui aérien approche. Oh putain. Ah elle est bloquée au sol. Ouais, j'ai réussi. Tu sais, la cible est dans un véhicule terrestre. Maintenant. Tu sais, on a plus de visuel. Bon, ça a été plus compliqué que ce que je croyais. L'idée de faire les défis en temps de guerre. Ok, il nous en reste un.
Cascade hélicoptère, hélico utilitaire, M-Savion. Alors il m'a semblé quand on a fait la mission qu'on a chopé un hélicoptère. Je crois que c'était le bon. Par contre, également, ce que l'on peut se faire, c'est en termes de livraison. Il est capable de me livrer quelque chose. J'ai l'impression que c'est le bon hélico. Oh, c'est quand même la classe, ça. Ouais, ça ressemble à l'hélico qu'on a pris quand on était voir le dirigeable. C'est pas très loin d'ailleurs. Juste au niveau de mon du centre de mon hélice, il était posé là. Vous êtes mon super héros. Je sais. On va la mettre au lab, c'est fini. On va pouvoir se déplacer rapidement à ce point-là.